Une pause reverse rafraîchissante. C'est parti pour un remplissage, cette fois-ci en reverse. Je vais transformer les ongles de ma cliente qui était en amande russe en amande un peu plus courte, toujours en amande russe. Je viens retravailler mes cuticules avec un embout flamme, on fait attention à ce qu'on fait. On vient déshydrater, appliquer le gel de base, qu'on vient frotter, surtout sur l'ongle naturel. Une fois que c'est fait, je vais utiliser le cool color kaki sur les extensions de ma cliente, sur le petit doigt et sur l'annulaire. Et avec le gel de construction classique Glass Clear, je vais venir y incruster des paillettes et des nacres. Ici, ce sont les nacres intenses de chez M-Nails. Je les dépose un petit peu comme ça me fait plaisir. Et je vais venir pouvoir rajouter les paillettes Brio Holo Mixed entre mes nacre de façon à habiller un petit peu plus l'ongle. Je termine avec les paillettes célestes qui sont rares, n'est-ce pas, puisque les paillettes bio sont obligatoires. Maintenant, on vient faire la construction avec le même gel, donc le gel de construction classique Glass Clear, et on vient polymériser. Je retourne le doigt pour avoir le moins de l'image possible et sur les autres, on va faire la reverse avec l'acrygel Polysculpt Pink Milky. Je dessine le mur de ma reverse, je polymérise et on va venir limer ce mur pour avoir une French et un sourire absolument parfait. Une fois que c'est fait, je reprends mon cool color kaki pour remplir ma French. Avec le liner, je m'aide pour vraiment aller partout où il faut. Et toujours avec le même gel, je viens refaire la même chose, donc incruster des nacres, des paillettes et tout ce qu'il faut. Je finis par remplir ma French, par limer après avoir polymérisé et on va pouvoir utiliser le gel Spider Special Chrome avec le chrome Galaxy Green. Donc je fais bien mes petits fils partout, je polymérise, on va venir frotter le pigment sur ces petits fils. C'est juste trop beau, c'est hyper rapide et je trouve que ça ajoute carrément quelque chose à la pose. J'utilise une petite plaquette de stickers dorés pour terminer ma déco en un rien de temps et je trouve ces stickers absolument canon. Avec le gel Astras, je viens utiliser des Swarovski pour vraiment terminer. Je fixe avec la mini lampe, on termine les micro-billes et on n'a plus qu'à venir appliquer la finition par la suite. Donc les micro-billes, je les trempe bien dans mon gel colle et ensuite j'ai plus qu'à les poser tout simplement sur l'ongle. Finition dessous et finition dessus. On recouvre bien le chrome pour ne pas qu'il s'en aille avec le temps et la pose est terminée.